Ici, dans quelques mois, c'est un centre médico-social qui sera inauguré. Le 33e dans le département, qui fait de l'amélioration des services médicaux de proximité une priorité. C'est plus facile pour les personnes qui sont en difficulté de pousser la porte d'un centre médico-social quand on connaît l'environnement, quand on connaît aussi le personnel qui y travaille et quand on peut avoir aussi des difficultés pour se transporter et faire beaucoup de kilomètres. Les 16 000 habitants de Saint-Fulgent bénéficieront donc bientôt, à quelques pas de chez eux, d'une puéricultrice, d'un médecin, d'assistante sociale ainsi que d'une conseillère en économie sociale et familiale. Un peu plus loin, à Longeville-sur-Mer, c'est le départ de l'un des deux médecins de la commune qui posait problème. Alors pour attirer de nouveaux professionnels, c'est dans un cabinet médical que le maire a décidé d'investir. Nous avons pris la décision pour pouvoir sédentariser un poste de docteur, mais de les mettre tous les deux en fonctionnement dans un cabinet médical pour surtout anticiper l'avenir. Du fait du cabinet médical, cela fera que des jeunes souhaiteront prendre leur succession à leur départ en retraite. À Longeville, il y a donc aujourd'hui deux médecins en activité pour 2400 habitants. C'est moins que la moyenne nationale. Pour les petites communes, le recrutement de professionnels de santé reste une réelle difficulté.